Salut à tous, c'est Arnaud. Salut à tous, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième Insert Disque de l'année sur... Allez, vas-y, je vais te laisser le dire. De Devil May Cry. Non, c'est pas ça? Non, c'est DMC. Ah, ouais, enfin, c'est pareil. DMC, Devil May Cry. Exactement. Hein, ça pète tout de suite un peu mieux. Et puis surtout, alors, on peut appeler ça préquel, reboot, tout ce que tu veux, on n'en sait trop rien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est développé par Ninja Theory, qui est à l'origine de du jeu Enslaved, qui est sorti précédemment. Du coup, Capcom continue son occidentalisation, on peut dire ça comme ça. Occidentalisation, c'est pas facile à dire ça. Non, mais tu vois, voilà, c'est-à-dire que studio japonais, enfin éditeur japonais, qui fait faire des jeux par des studios occidentaux. Faut s'adapter, le marché évolue, il faut savoir suivre les tendances. Donc pendant que je fais mes petites manipulations, si tu rappelais un petit peu nos amis internautes qui confondent un peu tout, le principe de l'insert disque. Bah, l'insert disque, c'est tout simple. C'est l'idée, ce sont deux amis qui se posent devant un jeu qu'ils viennent d'acquérir et qui le découvrent pour la première fois, avec tout ce que ça peut comporter, comme incompréhension, petites erreurs, mal lecture, oubli de lecture éventuelle. À vouloir aller trop vite, on lit pas ce qu'il y a affiché à l'écran. Du coup, bah voilà, petite réflexion, ce qu'on en pense, un petit peu d'humour au passage, ça fait pas de mal. Bah voilà, c'est vraiment l'esprit découverte, la première fois. Depuis des millénaires, les démons étendent leur pouvoir. Ils sont sur le point de contrôler toute l'humanité. Citoyen. Anonymous ? Qu'est-ce qu'il a craqué encore, lui ? C'est Anonymous. Putain, merde, il a piraté mon jeu. Ils ont envahi le jeu. Le fanatique masqué que vous venez. Alors ça, c'est censé être le nouveau Dante. Ayant revendiqué voilà. Donc vous êtes content de le découvrir avec nous, hein, une nouvelle gueule, un nouveau développeur, un nouveau machin, une nouvelle gueule. Il ressemble à un pote à mon frère. Sérieux, il ressemble à un pote à mon frère. Ah. Sauf qu'il a pas genre de tatouage dans le dos. Ouais mais regarde. En même temps je suis pas allé voir. Tu vois, il s'est fait griffer et hop, top. Je crois que c'est elle qui l'accompagne. Qu'est-ce que tu veux ? On se connaît ? T'as été négligent. T'as laissé une trace. Et il en a après toi. Quoi ? Qui en a après moi ? Il s'agit d'un limier. Il est là. Ah, il est tout nu. Oui. Il est ouvert, tout nu. Bah oui. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit deux mots pendant 3 secondes. Ah, lui, je crois qu'il t'aime pas, lui, hein. Je crois que lui, il nous aime pas. Qu'est-ce qu'il fait avec l'univers? Mais qu'est-ce qu'il fait avec mon monde? Un parc d'attractions. Merde, je suis dans les limbes. Mais ça, pour être dans la merde, t'es dans la merde. Alors ça, t'y est. Il est un peu tout nu mon gars là, comment je récupère mon épée, mes flingues et tout ça quoi. Bah comme ça, tu vois. J'aime bien, il y a toujours quelque chose qui est bien placé. Oh non. Regarde le bout de guitare. Ah, je te dis, je vais trouver ça, c'est cool. C'est génial. Il est trop bon quoi. Ils s'en fait plaisir là. Ah mais d'accord, il est pas petit. T'as vu la taille du démon, je crois que c'était un petit truc, non. Non, c'est le format XXL. Ah. Stixir inférieur. Donc c'est quoi le Stixir inférieur? C'est les armes. On lit, hein. Tu lis bien ce qu'il écrit. Il écrit Stixir inférieur. Il y a les armes qui apparaissent. Il fait apparaître son épée. Si jamais on te demande ce que c'est, tu sais parce que tu l'as lu que ce sont des Stixir inférieurs. Ok. Là, il y a écrit Kill. Ok. Ah bah YY. Ok. YY. J'ai pris le temps de lire, c'est bon. Il y en a 4, hein. 4 Y. Ok. Tu vois, c'est ça fait juste. YY, pause et 3Y. Il y a la manette qui se met à vivre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, là, il m'apprend les combos. Bah, ça, c'est le principe de ce genre de jeu. B pour lancer. Maintenez B pour lancer. Ah, YY, ouais! Ah, oui, ça, j'adore. Ça, je kiffe ça dans le genre de jeu. Ça, je trouve ça cool, quoi. Mais là, au moins, il t'apprend au fur et à mesure, contrairement à Anarchyrene où. Bon, on n'avait pas fait le didacticiel, mais il nous laissait un peu. Je crois que. Est-ce que X. Ah non, ça c'est vrai.
sont morts. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'il m'apprend comme bouton? Bah, Y, hein, toujours. Ah, l'esquive, très important, ça. Ok. Bon, là, c'est bon, j'ai pu passer. Ah, moi, j'ai pas eu le temps de lire. Hein. Nouvelle, les ennemis morts lâchent des orbes rouges qui permettent d'acheter des objets à consommer. D'accord. Ah, passage. Vite, Dante, suis-moi. Ok. Moi, je le trouve cool. Je sais pas ce que t'en penses, je le trouve cool, quoi. C'est bien mis en scène, c'est ouais, sympa. C'est cool, quoi. C'est fun. Ah, bah lui, tu peux pas l'avoir avec tes ballonnettes, hein. Tes ballonnettes, elles sont pas en argent ou je sais pas quoi, tu peux pas le tuer, hein. Ah, ok, donc lui, c'est Bastos, il faut les éliminer avec des Bastos. C'est le joueur de foot des démons. Ah, et Bonnie a un Diver. Ah oui, bah c'est le nom de César. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va, c'est pas trop dur comme jeu. Non, bah faut faire gaffe parce que tu vois, il lâche les... Ah, tu vois, faut quand même esquiver. Ouais, ouais, il lâche des... Et si t'appelais Sonic, là, il leur sauterait dessus et puis terminé, là, ces grosses guêpes volantes, c'est un peu sa spécialité. Bah, hein. Sauf que, normalement, tu peux... Enfin, il me semble que tu peux les attraper, donc... Ouais, mais il t'a pas appris encore. Ah, y a ton Burty qui monte. Ah, Burty est passé assez à cruel. Ils se sont trouvés un petit ça, c'est... un petit mot pour chaque lettre. Ouais, ouais, en fait, et puis c'est marrant parce que ça c'est le score de 10 niveaux, ça, je pense. Ouais, 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 c'est en évaluation. Alors, si tu passes à B, ça va être quoi? Brutal. Vas-y, vas-y, tente le A. Là. Qu'on voie ce que ça donne. Allez, tu baisses, hein. B ouais, comme baisse. Ouais, mais ça redescend, je pense. Bah oui, c'est sûr. Je pense que ça redescend au fur et à mesure. B comme baisse. Ah, je peux pas jouer à machin Wash Crash là. Ouais, c'est pas chez nous. Hein. Y a des araignées. Au passage. J'aime pas les araignées. Ça fait pas de mal. Dante, je suis là. Non, ne me tue pas. Tu peux pas tuer un fantôme. Je suis dans le monde réel et toi dans les limbes. Non. Ils sont pas dans le même monde. Ouais. Je suis une médium, une voyante. C'est pas mal, hein. C'est par contre, c'est Dark Siders. Moi, j'aime pas les couleurs, mais... C'est Dark Siders 2. J'aime pas ça, moi. Par contre, à jouer... Ah, mais c'est parce que t'es dans les limbes. À mon avis, après, il va y avoir les décors un peu moins... Ouais, ça, c'est cool, quoi. D'utiliser l'environnement pour les tuer, tout ça, c'est plutôt sympa, l'idée. Moins criard au niveau des couleurs. Bonus de style, récompense. Ça c'est pas mal, tu vois, ça, à mon avis, c'est si tu meurs, ça te permet de ressusciter à l'endroit où t'as perdu, quoi. Mmh. On verra ce que c'est. De toute façon, hein, on va crever, hein. C'est inévitable. C'est pas le principe des interdits que de crever. Non, c'est le principe des vidéotests de crever. Ah, d'accord. Ah, la blague, ah, la statue. Voilà la statue de... qui me permet d'utiliser la statue. Donc, ok. Amélioration. Capacité. Ah, double saut, marche-pied. Ah, tu peux sauter, tu vois, après, c'est... Regarde, t'as les esquives, machin... Et puis, apparemment, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de... J'ai que ça, quoi. Là, dans les rébellions. Ah, c'est avec l'épée. Oula, il y a quand même une belle panoplie de... d'améliorations, ouais. Hein. Donc, j'ai amélioré le combo de base, hein. Ouais. Autant commencer par ça. Ah, ah le cul, il est là. Non, mais lui, lui, je sais pas, il me suit... Non, ma grande roue. Le million, le million, le million. Comment s'est pompé sur Pirates des Caraïbes? Ah, regarde, il a récupéré sa veste. Qu'est-ce qu'elle fout, les deux? Au passage. Moi, je trouve ça... C'est marrant, il en a un peu partout, quoi. Ah. Nous sommes en direct de notre hélicoptère. Ah, mais ça, c'est ce qu'ils voient, eux, dans la rédaction. Ouais, ouais, ouais.
Comme s'il y avait eu un accident dans une fête foraine. Alors que nous, on le voit... Ah ouais, mais ça, c'est l'idée. Alors que nous, on le voit du côté du pays ouais, des démons. Ouais, l'idée est assez sympa, quoi. Oh là là. Ah oui, il y a des... Mais je crois que... Il me semble que je peux... En fait, tu progresses... Ouais, c'est comme les précédents, hein. Tu progresses uniquement si tu attaques vraiment à l'arme blanche. Les flingues, c'est vraiment une arme d'appoint, quoi. Ouais, mais sauf que eux, là-haut, pour l'instant... Si tu veux faire du score, multiplier tes combos, c'est quelle arme blanche. C'est chouette, hein, moi j'aime bien toujours quand il y a des gros boss comme ça. Non, c'est bien amené, hein, y a pas à dire. Je veux dire, ça te... tout de suite ça te prend quoi. Tu vois, ça... Ouais, voilà, t'es tout de suite dans le jeu. Ça fait pas dans la finesse, dans la subtilité, t'es tout de suite dans le creep quoi. Putain, c'est chouette ça. Hein. La caméra. Ça va. Ça va. Ouais, ouais. Donc, ah, ok. Coucou. T'as une sale gueule dans le miroir, mais. Mais méchant quoi. De toute façon, c'était obligé qu'il y a un truc là. Et dedans est trop fort quoi. Ah ouais, je veux dire, autant mettre la fin de jeu tout de suite, là, il est imbattable. C'est chouette, ouais, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il est tranquille. Tu vois, et ben, moi, alors, autant les couleurs, tout ça, ça me chagrine, autant j'aime bien enfin, tu vois, l'ambiance, tout ça. Ouais, tout non, ça... Cool, quoi. Là, ça c'est comme si t'étais dans une sorte d'automate. C'est sympa, hein. En tout cas, des fois, on râle parce que les environnements, les premiers environnements des jeux, c'est pas toujours sympa, tout ça. Ah, anarchique. Anarchique. Anarchique, là, et qui nous réserve le meilleur pour après. Autant là, je trouve que tout de suite, c'est bien, cool, quoi. Tu vois, le combo, là, t'as une petite vibration dans la manette qui dit que tu peux enchaîner, tu peux lancer des autres coups. Donc ça, je trouve ça cool. Tu vois, tu sais tout de suite où t'en es. Donc moi, ça, c'est ces petites aides comme ça, je trouve ça cool. C'est vraiment le genre de truc que j'adore, quoi. Oh, okay. Ils se sont tapés un trip dans le niveau, quoi. J'ai horreur de ce genre de choses. Bah, faut que tu sautes là au milieu. Ouais, mais je pensais que. Et là, ouais, bah voilà, de toute façon, non mais. Bon bah voilà, premier boss quoi. Bah ouais, enfin. Au bout de, allez, 20 minutes, 20, 20, 25 minutes, tu tapes le premier boss, donc Il se décide enfin à nous affronter, c'est trop mignon. Ouais mais alors putain, je te dis pas, lui, moi je lui fais rien du tout comme dégâts. Si, regarde. Ouais mais regarde, lui dès qu'il me touche, tu vois... Voilà. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est ça. Tu l'as suffisamment affaibli. Ouais, voilà. Et à ton avis, c'est la tête où il est le plus sensible ou c'est ailleurs? Ah ben, regarde, écoute, ça descend plutôt pas mal, là. Y, c'est ça? Ou ouais. Tu fais avec celui de la pause? Non, je faisais un peu des deux. Donc maintenant, c'est une série d'esquives, c'est ça? Oui, puis ah. Voilà, il va changer de position. C'est juste qu'on t'a pas entendu ma grande, alors si t'as besoin de donner une astuce... Non mais tu vois là, peut-être de tirer dans la tête... Mais ah bah voilà, je l'ai fait tomber. Oh là là, donc là il m'a mis... Donc là il reprend de la vie... Oh là. Yeah, pas mal. Pas mal.
Moi, franchement, il y a de bonnes idées, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à ton avis, là? Là, je me contente double saut. Ouais, ou double saut. Ouais, non, mais je veux dire, je me contente d'esquiver, là. Bah, je pense, hein. T'as pas l'air de lui faire de dégâts, il n'y a pas de barre, donc on a vu. Ouais, voilà, c'était ça. Mais c'est bien, l'esquive est bien placée, le bouton d'esquive est placé au bon endroit, là où j'aime, et du coup... Il faut être patient, et bon, là, il va être terminé, il y a pas de... il se le fait tout seul. La fête est finie. Fils de Sparda. Fils de qui? Enfin, te voilà. Je te cherchais. Tu es mort, tout comme ta catin de mère. Catin de mère? Je sais pas qui est ma mère, mais si tu me traites de fils de pute, tu serais pas le premier. Voilà qui est dit. Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous, on se bat. Oh, à côté, Man in Black, c'est... c'est des amateurs, quoi. Super. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chef d'État, banquier, popstar. On connaît leurs points faibles. Dante, c'est bien toi. Ouais, super le doublage. Tu ne te souviens pas de moi? Bah non. Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Bah, pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans, ça m'a effacé la mémoire. Autant lui il est cool, moi, autant les autres. Tu vois, en même temps, tu travailles mieux le personnage principal que les secondaires. De 7 ans. Et alors? La méningite, c'est une pathologie. Est arrivé. Mais tu n'es pas humain, Dante. Tu n'es pas humain. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste? Je m'appelle... C'est stylé, moi j'aime bien. Ouais, moi j'ai du mal à accrocher à ce style. Mais bon, je dis pas que c'est pas beau, attention. Hein. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ben tu vois, c'est détaillé quoi. C'est plus détaillé que tout à l'heure quoi. Non, mais... Là, il nous emmène dans notre maison, non? J'aime les effets de lumière, le truc là, c'est... je trouve qu'il y a une ambiance, je trouve ça super, je trouve ça vraiment chouette quoi. Une faute de goût, moi je te dis, une faute de goût sur le chapeau. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Ah, c'est pratique. Moi, maintenant, quand je me procherai dans un tag, je me méfierai. Hein. On sait jamais. On sait pas ce qu'ils pourront sortir. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuil desséchées et poils de loup. C'est sympa, elle a toujours une position. T'as noté la formule? Parce qu'on va réessayer. Hein. Elle est toujours en position pour que tu lui vois son décolleté plongeant. Quoi. C'est systématique. Comment je reviens? On te ramènera. En même temps, Capcom nous a habitués à des décolletés un peu plus imposants. Oui, mais le gars, il leur fait pas confiance, par contre, il rentre dans leur portail, quoi. Mais ouais, il est comme ça, Dante. Tu penses que ça va marcher? Ah, elle a des mains de démon, hein. Elle a l'air de s'en moquer. Ou tatoué. J'adore son chapeau, je kiffe son chapeau.
Pardon. Ok, donc là je suis dans le monde des démons, il faut que j'aille me bastonner. Je pense que c'est ça. Sinon, non Dante, on connaît pas son nom, on connaît que son prénom. Bah, il me semble. Hein. Enfin, moi, tu sais, j'ai très peu joué à Devil May Cry parce que, comme c'était sur PS2 et que j'en ai eu une que sur le tard, j'ai vraiment pas. C'est pas une série que je connais très bien, donc je peux pas te dire. Je connais juste le principe, voilà, le gars, les grosses épées, les pistolets. Monsieur et madame Oncu ont un fils, comment s'appelle-t-il? Oncu. Dante. Alors c'était chez moi. Bon, voyons ces secrets. Allez, oh non, c'est pas possible. Tu sais que c'est... Des fois, on essaye d'être sérieux sur ce truc-là, quand même. Hein? Bah oui, je suis sérieux. Ah, d'accord. Mais, ah non, je me trompe de bouton, voilà. Depuis tout à l'heure, il cherche ses origines, qui est son père et qui est sa mère. Moi, je lui dis qu'il s'appelle Oncu. Il s'appelle Oncu. Sparda Oncu, c'est moins drôle, mais... Avec Dante, ça marche bien. C'est vrai. Ah, a key. Tiens, les techniques de copines, là, voilà. Ça sert à quelque chose de les flinguer. Bah, ça rapporte des armes, des âmes. Et c'est pas ça qui servait dans les... J'ai gagné quelque chose et j'ai dû débloquer une amélioration, là. Non, un concept art des flingues. Mec, tu as ramassé une clé. Bute le machin, là. Bute le machin. Plaque, voilà. Et t'es qui, toi? Sparda. Tu crois qu'il s'habille en Sparda? Le diable? Le diable s'habille en Sparda, donc c'est normal. Eh, oh là 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 là! Tiens, ah, voilà. Fond you, prouvez! Oh, 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 oh! Ah. Je crois que lui... Ah, d'accord, ok, bouclier. Chevalier de l'Apocalypse. Donc, il doit y avoir un truc pour leur faire... Un kill tour? Pour leur enlever le bouclier. Ou alors, faut basculer par... passer derrière et puis fracasser, quoi. Où est-il? Ah là-bas. Ah ouais, donc il vient, il s'en sert, ouais. Coriace. Il peut faire un saut et passer derrière lui? Bah tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé, quoi, mais... Ah, avec une roulade, tu diras, ouais, pas mal. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Flawless kill. Tu vois, il y a toujours ces ralentis, hein, c'est ça, c'est que t'as tué le dernier ennemi, quoi. Tu veux me montrer? Retourne au tableau. Il y a un truc juste en dessous là qui scintille rouge là. Ouais, tu vois, bah de toute façon. Tu vois pourquoi t'es mon alcoolique anonyme? Ouais. Tu me dis ce que je dois faire, tu lis. C'est pour ça, c'est ta faute dans l'archirène, c'était à toi de lire ce qu'il y avait sur l'écran. Mais j'ai pas le temps de lire. Hein. tu lis beaucoup trop vite pour moi. Oh yes! Ah bah lave-la l'info qu'on voyait dans les vidéos trailers. Ah ok! Cool! Alors là, mon garçon. T'as vu? Il a des fossiles. Alors, nouvelle arme. Une hache démoniaque. Ah, mais voilà, c'est ça. Alors, du coup, t'as Y, Y, Y classique. T'as le B en plus. Ouais. Ah, ok, d'accord. C'est bon, en fait, c'est ça. C'est la gâchette, ça me permet d'utiliser la. Ça me permet d'utiliser la hache. Tu vois, avec le. Normalement, c'est l'épée. Oui. J'utilise... Et si tu appuies, tu changes, tu tapes à la fois. C'est ça. Et puis dans effectivement, elle est plus lente, mais elle a l'air de faire mal. C'est ça, quoi. L'autre, il a pas le temps de se relever. Bon, il a mangé son âme. Du coup, face au petit, tu devrais changer. Parce que tu es. Ils sont plusieurs. Voilà. Et quand t'as un gros, ben, boum. T'as compris, tu restes au sol. Non mais regarde, tu vois,
Non mais t'as vu ce que j'ai... Oui, oui, oui. C'est une foule, quoi. Avec le gros, tu l'as projeté, machin, et du coup, t'es passé en l'air. Bah après... Oh, Savage. Tu vois, ça c'est cool, quoi. Après, il faut varier les... Il faut varier les attaques, quoi. Bah après, c'est... il faut se faire plaisir en attaquant, quoi. Qui est là? Par contre, tu vois, j'ai toujours pas repris de vie. Hein. Exact. Donc, il faut vraiment faire attention à ça, quoi. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, apparemment, là. Ouais, a priori. Bah, je suis revenu où j'étais. Ah non. Ah mince, tu vois, quand il brille, faut que je fasse gaffe, il va attaquer. Fais une roulade. Oh putain, tu l'as fracassé son machin, quoi. Ah bah ouais, ouais. Mais c'est plutôt cool à jouer, hein, quand même. C'est sympa. Là, tu vois, il faut vraiment maîtriser tous les coups et tout. Ah, ça, à mon avis, c'est moi qui joue. C'est lui quand il était jeune. Ouais, voilà, enfin moi, lui, quoi. Avec son frère jumeau. Son frère jumeau, c'est... Tante. Vergil. C'est Vergil, ouais. J'ai bien entendu. Bon, ben... C'était... Ouais, c'est franchement... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Franchement, j'ai envie de m'y essayer. Bah, tu vois, moi, c'est ça. Moi, ce que j'avais vu, c'était... Ça me plaisait pas trop, mais là, je trouve ça cool. Là, je pense Parce que j'avais pas trop accroché personnellement au 4. Le début m'avait pas vraiment plu, tout ça. Mais tu vois, il me manque encore des pouvoirs, parce qu'après, je crois que t'as une sorte de grappin, enfin... Il y a plein de petites choses après qui te permettent de vraiment profiter de toutes tes techniques et de... Voilà, voilà, c'était Insert Disc sur DMC Devil May Cry. N'oubliez pas de nous retrouver sur Facebook, okay, Twitter... Tout ce qui va bien. Oh là là, j'ai dit d'esquiver. Et même les futurs réseaux sociaux qui n'existent pas encore, si vous regardez cette vidéo dans le futur. Et puis c'est sur ce combat que nous on vous dit à bientôt pour un prochain Insert Disc. Allez, à bientôt. J'allais dire vidéo test. Non, allez, à bientôt. Insert Disc. Ciao, ciao.